Avec nous, Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec. Bonsoir, Monsieur Rodriguez. Bonsoir, merci de l'invitation. Écoutez, on en sait encore assez peu là, sur ce projet de train grande fréquence. Les consortiums vont en quelque sorte eux-mêmes présenter leur vision pour ce projet-là d'ici l'été prochain. Mm-hmm. À quoi est-ce que vous tenez absolument là, le tracé, l'énergie, le budget? Sur quoi Ottawa ne fera pas de compromis? Un peu tout ça. Vous savez, le projet, c'est un projet extrêmement important qui vient changer la donne. On parle ici de 1000 km de voies dédiées. Actuellement, les trains de passagers doivent céder le passage aux trains de marchandises. Ça ne sera plus le cas. 1000 km de voies dédiées, presque entièrement électriques. Donc, on peut aller jusqu'à 200 km à l'heure. Beaucoup plus fréquent également. Alors, il y a un changement majeur. Mais là, ce qu'on a dit, nous, ou trois entreprises retenues, ou trois consortiums retenus, c'est... Voici la proposition principale que l'on veut, les 1000 km, etc. Mais proposez-nous quelque chose aussi d'un peu plus ambitieux, de plus rapide si possible. Ouais. Et là, on verra en fonction de... Il faut évidemment respecter certains critères, comme par exemple les dessertes. On veut que le train arrête à Trois-Rivières, on veut qu'il arrête à Laval. Parce que ça serait facile pour eux de nous dire « Ah, oh, bien, on va de toute façon à 1h30, puis on n'arrêtera nulle part ». Et ce n'est pas l'objectif. Ouais. On veut arrêter à certains endroits à travers le Québec. Mais vous savez, à chaque fois qu'on parle de ça, M. Rodriguez, ça ramène l'idée du TGV. Il y a plusieurs personnes qui disent, bien, pour inciter les gens à le prendre ou à changer de mode de transport, bien, il faut qu'ils fassent un gain en termes de durée de trajet. Le TGV permet parfois de le faire davantage. Est-ce que vous allez insister sur l'aspect de la vitesse? Bien, la vitesse est importante, mais encore une fois, si vous avez 1000 km de voies dédiées, donc personne qui vous arrête, alors là, il y a un trajet direct. Mm-hmm. On va jusqu'à 200 km à l'heure. On a beaucoup plus de fréquence. Donc, le voyage en tant que tel, il se fait de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus fréquente également. Maintenant, on va attendre les propositions qu'on a demandées, celles qui sont plus ambitieuses, mais il faut qu'on ait moyen de se le payer également. Alors, si quelqu'un nous arrive et nous dit « On va te faire ça en 1h30 entre Montréal et Québec, pas de problème, ça va te coûter une fortune », on va dire « Non, on a la responsabilité de gérer l'argent des Québécois et des Canadiens ». Donc, le coût est important, l'acceptabilité sociale est importante et aussi que ces trains-là desservent les villes qu'on a en tête. Oui, j'insiste sur le coût, M. Rodriguez. On n'a pas de facture, là, évidemment, pour l'instant. Mais vous, aujourd'hui, vous avez donné un ordre de grandeur. Vous avez dit 4 à 5 fois plus gros que le REM avec des dépassements de coûts auxquels on a l'habitude. Alors, on parle de quoi, là? 30, 40 milliards plus, on se situe où? Non, mais je ne parlais pas 3-4 fois le REM en termes de coûts. Je disais 3-4 fois en termes d'ampleur. Ah, très bien. Ça va être le plus grand projet d'infrastructure au pays actuellement. Là, on parle de 1000 voies dédiées, on parle de partir de Québec à la Toronto, arrêter à certains endroits, électrification. Donc, c'est énorme comme projet. Mais pour ce qui est des coûts, il faut voir qui sera retenu. Est-ce qu'on va parler de la proposition principale? Est-ce qu'on s'entend sur quelque chose de plus ambitieux? Ça, on le saura le moment venu. Oui, absolument. Parce que là, officiellement, le processus, là, les appels d'offres, on comprend à quelque part à l'automne, l'analyse des soumissions l'été prochain. Donc, on sera patient et on aura l'occasion d'en reparler. Donc, entre-temps, on change de dossier, si vous voulez bien, M. Rodriguez. On n'a pas le choix d'en parler avec vous. Ces négociations avec Meta, Google, concernant le règlement de la loi sur les nouvelles en ligne, on en est où, là? Est-ce qu'il y a un canal de communication qui existe? Avec Google, absolument, on les a rencontrés avant-hier. Ce sont des discours très franches, pas toujours faciles, mais toujours franches dans une perspective de collaboration. Moi, je pense qu'on a fait des avancées positives avec Google. Meta, c'est l'inverse, c'est le vide, c'est l'absence de communication, c'est le non-réponse. Moi, je leur dis, vous savez, il n'y a aucune obligation d'ici à ce que le projet de loi entre en vigueur. Ça, c'est 6 mois après le 22 juin. Donc, on a le temps de s'asseoir et de discuter. Google a dit, parfait, moi, je vais m'asseoir avec vous, je vais discuter. Et nous, on est convaincus qu'on va répondre à toutes les inquiétudes de Google à travers la réglementation. Mais Meta, eux, refusent. C'est un peu une approche très bully, comme on dit en anglais. Eux se disent, moi, je m'en fous que vous soyez le gouvernement d'un pays souverain. Je m'en fous que vous soyez dûment élu par le peuple du Canada. Moi, je vais faire ce que je veux chez vous. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Oui, et entre-temps, c'est un peu particulier parce que Meta essaie en ce moment d'acheter de l'espace publicitaire auprès de Québécois, Cogeco, Bell, pour faire circuler son message contre la loi sur les nouvelles en ligne. Qu'est-ce que vous pensez du fait que la multinationale approche des producteurs de nouvelles pour dénigrer une mesure qui est destinée à les aider? Vous venez de le résumer. C'est ironique, c'est,
à quelque part presque irrespectueux de venir dire on va acheter des nouvelles chez toi pour lutter contre un projet de loi qui te vient en aide. Ça me semble un peu absurde. Oui, et le message de Facebook est assez ferme. Hein? Ils disent la seule manière dont on peut raisonnablement nous conformer à cette législation-là, c'est de mettre fin à l'accès aux nouvelles pour les Canadiens. Est-ce que là, on comprend avec ce discours-là, M. Rodriguez, que 6 mois, est-ce que ce sera suffisant pour concilier vos points de vue? On verra. Moi, je suis convaincu qu'avec Google, on peut le faire. Même peut-être qu'avec Meta, on pourrait le faire, mais s'ils ne viennent pas discuter avec nous, c'est impossible. Mais Meta essaie aussi d'envoyer un message au monde entier à travers ce qu'ils font. Le monde regarde actuellement le Canada et cette discussion assez ferme qu'on a avec les géants du web. Donc, Meta, Facebook et Instagram essayent d'intimider les Canadiens, essayent d'intimider le gouvernement du Canada et à travers ça, essayent également d'intimider les populations d'autres pays, les gouvernements d'autres pays. Oui, il va falloir qu'ils décident. S'ils se retirent de nouvelles de chez nous, est-ce qu'ils vont le faire aussi aux États-Unis, parce que les États-Unis vont dans la même direction, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Indonésie, au Brésil, parce que tout le monde s'en va dans cette direction-là. Chose certaine, le gouvernement canadien, lui, a vraiment été très clair. Là, on n'a pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds. Et le Canada qui a même décidé de faire en quelque sorte bande à part, M. Rodriguez, concernant la taxe là, pour les géants du web qui fournissent des services au pays. Tous les pays de l'OCDE qui ont suspendu son application, sauf nous, Washington est critique à l'endroit de cette décision-là. Est-ce que l'attitude du gouvernement au sujet de la taxe, c'est lié à la bataille sur les nouvelles en ligne? Non, c'est simplement qu'on a dit qu'on le ferait et qu'on irait de l'avant. C'est certain que les géants vont résister. Ils ont résisté au projet de loi C11 que j'ai déposé qui demande à Netflix et autres de contribuer à la culture. Il est quand même passé. Ils ont résisté au projet de loi C18 qui demande aux géants du web de contribuer aux journalistes. Il est quand même passé. Et maintenant, ce qu'on dit, c'est que ces gens-là doivent contribuer au niveau de leurs revenus. Il y a un consensus au niveau des pays industrialisés. Nous, on dit, puisqu'il y a consensus, de le faire, faisons-le maintenant. Et on verra pour la suite. Dans ces négociations-là pour la loi sur les nouvelles en ligne, M. Rodriguez, est-ce que le gouvernement est prêt à faire des concessions? Mais on a passé plus d'un an à discuter avec eux en chambre, en comité de la Chambre ou au Sénat. Et là, le projet de loi est adopté. Et donc, on ne reculera pas. Mais il y a des réglementations qui découlent du projet de loi. Et on a jusqu'à l'entrée en vigueur, jusqu'en décembre, pour discuter des réglementations. Mais nous, on pense que, telles quelles, elles répondent à la quasi-totalité, sinon la totalité des inquiétudes de Google, peut-être même de Facebook, ça sera eux de voir. Mais si Facebook ne vient pas s'asseoir avec nous, ils ne seront jamais. En terminant, M. Rodriguez, vous savez comme moi qu'il y a des rumeurs de remaniement ministériel là, qui planent sur la colline parlementaire. Est-ce que vous allez insister pour mener ce dossier-là jusqu'au bout? C'est un dossier qui me passionne beaucoup. Vous savez, j'ai réalisé une grande partie du mandat qui était justement ces deux projets de loi, plus un troisième qui est déjà prêt. Donc, le premier ministre prendra une décision à ce moment-là. Moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui me passionne. C'est un privilège, mais vous savez, c'est un privilège d'être n'importe où autour de cette table-là. C'est un rêve, moi, de jeunesse, de pouvoir être là, contribuer à la société canadienne. Je le vis intensément tant que je pourrais le faire. Ça sera soit au patrimoine, ça sera ailleurs. Très certainement, comme lieutenant de chef. Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, lieutenant du Québec. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.